Je m'appelle Antonia Césped. Je m'appelle Fernando Jaramillo. Je m'appelle Santiago. Et nous sommes la délégation de Sonia. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi on a eu le besoin d'une journée mondiale contre la misère et la pauvreté. Mais comment imaginer que dans des pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne et même la France existe la pauvreté? Mais premièrement, qu'est-ce que c'est la pauvreté? La pauvreté peut être définie comme une insuffisance de ressources matérielles comme nourriture, vêtements et ou argent nécessaire pour vivre, mais aussi un matériel comme éducation, respect, par exemple. Mais il n'est pas facile de mesurer le nombre de personnes pauvres dans le monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la pauvreté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la combattre? Nous devons être attentifs à ce qu'ils sont exclus, à cause de leurs différences. Et chacun est utile et chaque personne est importante, n'importe s'il est pauvre ou riche. Nous avons tous le droit à prendre soin de tous les autres. La pauvreté, une définition à plusieurs facettes. Et la pauvreté, comme on l'a défini, comme on a cherché et a défini, l'état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent insuffisant et de ressources. La pauvreté, on a vu cinq types de pauvreté. La première, c'est la pauvreté monétaire, la manque d'argent. La deuxième, la pauvreté des conditions de vie, et la manque de vêtements, d'éducation. Et la cinquième, la pauvreté administrative. Il y a des personnes très très pauvres et qui presque demandent au État qui lui finance une maison. La pauvreté a toujours existé. Chaque époque avait sa propre façon de prendre en compte la pauvreté. Par exemple, la pauvreté au Moyen Âge. Elle faisait le tri entre les bons pauvres, les invalides, les vieillards et les mauvais pauvres. Les valides considérés comme volontairement pauvres, vagabonds et dangereux. Par ailleurs, certains pauvres pouvaient bénéficier de l'aide des seigneurs ou d'une forte solidarité familiale et bourgeoise. La pauvreté absolue et la pauvreté relative. Et la pauvreté absolue, c'est la pauvreté monétaire plus la pauvreté de conditions de vie ensemble. C'est qu'on n'a rien de rien. Et la pauvreté relative, c'est épargner la pauvreté trop. On est trop pauvre, mais on est pauvre, non pas trop. Le temps où on réprime la pauvreté. À partir du 15e siècle, la pauvreté commence à inquiéter l'État. On continue à distinguer les bons et les mauvais pauvres, mais la tendance à la répression s'intensifie. Les vagabonds sont poursuivis, certains sont pendus, d'autres envoyés aux galères. Okay. En France, près de 10 personnes sur 100 sont pauvres et décédés, c'est dans le de l'argent et des vêtements et de l'éducation. Et de quoi souffrent les enfants pauvres? Les enfants pauvres souffrent du regard des autres, d'être humiliés. Le plus important à l'école, c'est d'avoir des amitiés, parce que l'amitié est une bonne manière de lutter contre la misère, car avec les amis, on se sent plus en confiance. Gracias.
7 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, est née de l'initiative de Dr. Percy, fondateur du mouvement ATD. C'est une association qui est contre la pauvreté et les aides aux gens pauvres. Tout le monde se ressemble et aide aux personnes plus pauvres. Face au mépris et l'indifférence, les pauvres sont par exemple associés à la solitude, à la violence et à la déchance. Et les ravages de l'exclusion. Les demandeurs d'emploi de 50 ans, les populations étranges, les jeunes non diplômés et les jeunes mères, c'est le critère. Et ils ne comprennent presque quand ils sont pauvres, ils ne laissent pas avoir d'emploi. Que veut-on faire avec la misère? Nous devons être attentifs à ceux qui sont exclus à cause de leurs différences. Ce n'est pas toujours facile. Si tout le monde est les pauvres pourront améliorer ses conditions de vie, ils pourraient avoir de nourriture, des vêtements, et puis d'accès à le besoin. Plus d'opportunités de se développer dans sa vie. En el plan, nous avons une question pour vous. Et c'est maintenant, que faites-vous contre la pauvreté? Est-ce que vous savez les réponses? Merci de nous avoir invités. Est-ce que vous avez des questions?